Salut tout le monde, c'est le Panda Fou. Donc, je fais cette petite vidéo après longtemps inactif pour vous expliquer comment installer LSPDFR en 2023. Donc, j'ai fait une représentation du dossier GTA V qui est vide, certes, je vais pas l'installer deux fois, mais c'est censé représenter celui-là, donc le dossier où il y a le jeu. Donc, je vais le laisser ouvert. Vous aurez besoin. Donc, tout est dans la description. On va avoir besoin de LSPDFR, Scriptook 5, Scriptook 5, V, .NET, ouais, et Rage Native. Donc, hop, pour installer tout ça, tac, hop, tac. Pour LSPDFR, vous cliquez sur Download File. Vous descendez. Hop, vous cliquez ici, vous prenez le manuel install. Vous download, moi je l'ai déjà, il est juste ici. Et vous l'installez, et après vous l'extrayez, vous le mettez sur le bureau, et vous devez l'extraire. Pareil pour le Scriptook 5 qui sera en description. Vous faites download, ça s'installera. Pour celui-là, vous êtes ici, vous descendez, et vous installez le premier. Celui-là. Et pareil pour celui-là, vous installez celui-là. Donc, une fois tout ça installé, hop, ça peut fermer. Vous devez ouvrir votre jeu GTA à l'endroit où il est. Ça peut être Rockstar, Steam ou Epic Games ou autre. Il y en a d'autres. Vous prenez l'SPDFR, vous l'ouvrez. Donc là, vous avez votre dossier du jeu et vous prenez tout. Hop. Et vous glissez tout dans le dossier du jeu. Donc, hop, et à la fin, donc une fois que vous avez essuyé faire, vous savez, il est là, il est là, il a juste à être glissé. Pas compliqué là-dessus, tout le monde peut y arriver. Scriptook 5, hop, vous mettez ça et vous installez celui-là et celui-là. Vous les prenez, vous les glissez. C'est tout simple. Pareil, tout le monde peut y arriver. Et maintenant, hop, je reprends, excusez-moi. Donc, une fois que ces deux-là sont installés, on les met de côté. Plus besoin. Vous pouvez même les supprimer. Maintenant, on va prendre Rage Native. Hop, c'est pareil. Vous nous prenez les deux. Hop, vous prenez les deux et vous les glissez dedans. Tac. Hop. C'est pareil, pour ça, vous pouvez le mettre à la poubelle. Hop. Je rouvre ça vite fait. Voilà. Et là, pour ça, vous devez prendre les 6. Les 6, vous les glissez dedans. Donc à la fin, vous devriez avoir tout ça pour les SPDFR, dont les dossiers de GTA. J'en ai plus parce que j'ai d'autres trucs que j'expliquerai dans d'autres vidéos. Pour l'instant, c'est que l'épisode 1. Donc, après, vous devriez avoir tous les dossiers que je vous ai montrés. Pour lancer le Scriptook 5, vous devez appuyer sur F4. Après, il y a un autre truc. Hop. C'est le Simple Trainer. Pareil, vous allez sur GTA, vous l'installez, hop, pas trop de temps, je vous le montre vite fait, que, hop, il peut être bien pour tout ce qui est véhicule à donne, etc. Hop, je vais le remettre. Tac. Moi, ça fait un peu ça, mon PC, je sais pas pourquoi, voilà, pour au final, il soit là. Attendez, je reviens. Hop, excusez-moi, je sais pas du tout pourquoi il voulait pas se lancer. Voilà. Donc, hop, une fois que vous avez installé ça, vous devez l'extraire sur votre bureau et vous prenez ces deux-là. Donc, tac, et pareil. C'est la même histoire. Vous glissez ça ici.
Ah, par contre, si je refais là, ça va pas être une bonne idée. Hop, je vais remettre de là. Hop, voilà. Hop, vous le mettez là. Et donc là, après, votre trainer V, il est là. Que vous devez lancer avec F3 et le script 5 avec F4. Donc voilà. Pour après les commandes, il y en a plusieurs. Tac. Vous avez le force duty. Donc en appuyant sur tab, après vous avez directement les trucs. Hein. Vous avez le go to PD pour aller directement au commissariat central. Qu'est-ce que vous avez après pour faire les trucs de base, c'est spawn, etc. Pour faire apparaître la police normale avec le menu F4. Tout ce que je vous dis là, c'est avec le menu F4. Par exemple, pour faire apparaître les voitures de police, c'est police. Voilà, et il y en a plusieurs. Il y a la police 2, ça s'écrit comme ça. Il y a la police 3. Police 4, ça c'est la banalisée. Après, il y a les shérifs. Pareil, même histoire. Après, il y a l'FBI. FBI 2. Et après, pour avoir les camions blindés, du SWAT. C'est ça. Et l'anti-émeute, c'est celui-là. Donc voilà. Donc, pour tout ça, voilà. Je vous ai expliqué vite fait. L'épisode 2 sortira si vous avez quelconque problème. N'hésitez pas en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Discord par exemple. M'envoyez un message, je viens vous aider. Ou quelqu'un d'autre viendra, dépendra ce sera qui. Et pour vous aider, voilà. N'importe quelle question, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire ou sur Discord. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Et voilà. Désolé tout pour l'inactivité. Bonne journée à vous. Au revoir.